Le 28 mars 1891, un oukase du tsar restreint le droit de résidence des Juifs à Moscou. Nombre d'entre eux gagnent alors les grandes villes de Pologne. Le marchand Meyer Brotherson choisit Lodz. Soret Tsipe, son épouse, s'installe avec ses enfants chez son père, Agnès Vierge, une bourgade juive de Biélorussie. C'est ainsi que le petit Moïse, né à Moscou en 1890, grandira au Shtetl. En yiddish, le mot destin se dit de deux manières. Goyru, dans lequel l'oreille distingue le mot goy, et shiksao, qui semble comme contenir le mot shikse, de jeune fille non juive. Comme si le destin juif dépendait irrémédiablement du monde non juif. L'écrasante majorité des écrivains yiddish ont vu le jour dans un shtetl ou à la campagne. Rares sont ceux nés dans une grande ville. Moscou, Varsovie, Kiev ont été de formidables fabriques d'écrivains juifs, d'expressions russes, polonaises, ukrainiennes. Alors que Zlotchev, Zamoshch, Shklov et Niezvierge ont été les matrices des plus grands écrivains yiddish. Ainsi, si le tsar Alexandre III n'avait pas ordonné l'expulsion des Juifs de Moscou, peut-être Moïse Brotherson ne serait-il jamais devenu un écrivain yiddish. Agnès Vierge, Moïse étudie au cheder traditionnel et ce n'est qu'à l'âge de 9 ans qu'il rejoindra son père à Lodz, la deuxième ville de Pologne dont le tiers de la population est juive. S'il n'avait pas grandi au shtetl, les références aux traditions populaire juive n'aurait sans doute pas tenu une place si importante dans son œuvre. Et parmi ses formes populaires, le Purim Spiel, ce théâtre joué à l'occasion de la fête de Purim et mettant en scène les héros du livre d'Esther. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, commençons ce cabaret à la manière d'un Purim Spiel. Arain, Arain! Arain, du Moïse de Neumann. Moïse Brotherson fait ses débuts en littérature avant la Première Guerre mondiale. Il commence à publier des textes humoristiques dans la presse quotidienne de Lodz sous le pseudonyme de Brotherzinger, reprenant ainsi le nom de ses poètes populaires du 19e siècle. Fin 1913 paraît son premier recueil de poèmes, publié à compte d'auteur, grâce à son traitement de comptable, Schwarze Flitterler, paillettes d'or, œuvre d'un poète débutant plutôt impressionniste. Lorsque Lodz est occupé par l'armée allemande en décembre 1914, Brotherson quitte la ville et se réfugie à Moscou. Malgré l'afflux de nombreux réfugiés du fait de la guerre, les milieux yiddish y sont restreints. Alors les jeunes écrivains fréquentent le café pittoresque et les autres points de ralliement des futuristes russes. Ils assistent aux soirées poétiques durant lesquelles Mayakovsky et ses compagnons déclament leurs créations. Détroit Contact lit également les écrivains yiddish aux peintres juifs, Yosef Tchaïkov, El Lissitzky, Marc Chagall. La période est propice à l'émergence d'un art moderne juif. À l'instar de leurs homologues russes, poètes yiddish et peintres juifs puisent abondamment dans le folklore populaire pour œuvrer à une véritable renaissance culturelle. Voyez par exemple ce cycliste de la Russe, Natalia Goncharova, et ce coq majestueux du peintre juif Yosef Tchaïkov. Le 16 mars 1917, toutes les restrictions concernant les juifs, y compris l'interdiction de publier en caractères hébraïques en vigueur depuis juillet 1915, sont annulées par le nouveau gouvernement issu de la révolution de février. Les parutions en yiddish et en hébreu se multiplient. Au sein du Cercle pour une esthétique nationale juive, Brotherson travaille à faire connaître la renaissance esthétique du judaïsme sur la base de la créativité juive et par un rapprochement organique avec l'art général européen. C'est alors, en 1917, que paraît Siches Rulin, la première grande œuvre de Moïse Brotherson, illustrée par El Lissitzky.
La page-titre est annonciatrice de l'intention des auteurs. En bas, au centre, un écrivain s'appuie sur un pupitre et dirige son regard vers le haut. D'où semble venir l'inspiration? Il écrit non pas sur des feuillets ordinaires, mais sur un rouleau, comme le ferait un soifer, le copiste des manuscrits de la Torah. À l'avant du pupitre figure l'inscription « Derzeit Moïse Brodersohn », racontée par Moïse Brodersohn. Au-dessus de la tête de l'écrivain vole un paon, les ailes largement déployées, à la fois muse du poète et symbole de nostalgie. Ce paon tient dans ses griffes un chassid, symbole de nostalgie, à l'heure où le monde juif traditionnel, sous le coup de la Première Guerre mondiale et de la Révolution de février, connaît un véritable effondrement. Mais présenter un chassid comme source d'inspiration, c'est aussi suivre la voie tracée par le grand écrivain Yitzhak Leibowitz Peretz dans, entre autres, ses contes chassidiques. La culture juive traditionnelle peut être la source d'inspiration d'une littérature et d'un art moderne en yiddish. Les contributions graphiques de El Lissitzky ne sont pas conçues comme une illustration du texte, elles sont intimement mêlées à celui-ci. La page titre rappelle les ornements des pierres tombales juives, les frontispices des livres d'études religieuses et les textes de la littérature yiddish ancienne. Sur les 110 exemplaires imprimés, une vingtaine se présentent sous la forme de rouleaux d'Esther. Ihr kennt mich so mit die Proger Kehille, die Kehille Deutsche von Heilige Frumme, von Leute Rabonim, Dayonim, Batlonim, und Poschete Jiden mit Hukens, mit Krumme, verständigen Schwitzen in Botte mit Roschen, verständigen Schweden in seltene Welten, verständige Träumen in Kläusen beim Lernen, von Kishef Meluches in Nissim gezelten. Sans doute connaissez-vous de Prague la communauté, sainte communauté composée seulement de pieux et saints rabbins, de juges et d'oisifs, de simples juifs aux épaules courbées par l'effort incessant dans les maisons d'études, par l'envol incessant vers des mondes si rares, par des rêves incessants au fond des oratoires, rêve de royaumes magiques, de tentes merveilleuses. En fait, l'intrigue est empruntée au Maïsel Yerushalmi, l'une des œuvres de la littérature yiddish ancienne, imprimée dès le XVIe siècle. Brodersohn y révèle une langue riche, un style enlevé et généreux. Il y propose des rimes audacieuses, novatrices, notamment en rimant un mot du fond germanique ou slave avec un mot d'origine hébraïque ou araméenne. Thales und Tfilm est associé à Spiln, Leviosen à Bagosen, Kruppe Kduschen à Kuschen, Iberaste à Vaste, Heise à Marteise. Durant cette même année 1917, Moïse Brodersohn publie Temerl, Petite Tamar, un conte pour enfants illustré par Yosef Tchaïkov. Les deux créateurs participent ainsi dans le sillage de la création des grands réseaux d'écoles yiddish qui irrigueront tout le yiddish langue entre les deux guerres, à la naissance de la littérature yiddish pour enfants. Un altes Temerl a greuse Mädele und trot schön ungetun a seiden a Kleidele und leint schön allein. Sie leint meiseler viel schöne Temerl allein. Enormen in kleinen Kämmerl und schön ist sie, schön. Brodersohn ne prendra pas longtemps part à l'allégresse de la Révolution en Russie. Dès l'armistice signé en décembre 1918, parmi les premiers, il quitte Moscou et regagne Lodz. In Moskwe hat mir Schmuel Niger getreist. Do in Russland sind do wenig Leser von Jiddisch, aber in Polen, a größer jiddischer Kibbutz, unser bewusstsinnige Arbeiterschaft, die Volksmassen. À Moscou, Shmuel Niger m'avait consolé. Ici, en Russie,
Il y a peu de lecteurs en yiddish, mais en Pologne, une grande communauté juive, une classe ouvrière consciente, les masses populaires. Lorsque Broderson revient de Moscou à Lodz, fin 1918, il rencontre un groupe de plasticiens formé autour de trois personnalités, Yitzhak Breuner, Yankev Adler et Marek Schwartz. Il se passe à peine trois mois entre son retour et la parution du premier numéro de la revue Young Yiddish. Durant cette période, écrivains et plasticiens du mouvement en formation se rencontrent chez Yitzhak Breuner. Moshe Broderson improvise des poèmes, Breuner joue au violon des airs juifs traditionnels et raconte des histoires. On danse des danses chassidiques. D'autres rencontres auront lieu dans les ateliers textiles de quartiers juifs populaires de Baalout. Ils y organisent des concours d'improvisation. Le gagnant est couronné du titre de Prince von Lied, prince de la poésie, et reçoit en récompense une bouteille de vin. La revue Young Yiddish paraît en février-mars 1919. Son titre, Young Yiddish, Lieder in Wort und Zeichen ungen, Jeune Yiddish, poème en mots et dessins, proclame la poésie alliée à l'art plastique comme expression littéraire privilégiée. La présentation de Young Yiddish ne manque pas de surprendre. Le support est choisi en un papier d'emballage gris, manière de proclamer avant même l'ouverture du cahier la nouveauté de la forme et d'affirmer son enracinement dans la réalité industrielle de Lodz. Le titre, dessiné par Yankev Adler, laisse paraître des influences traditionnelles juives. Le mot Jung est calligraphié en caractère rashi, communément utilisé pour l'impression des commentaires rabbiniques. Et alors que Jung penche vers la droite, Yiddish penche vers la gauche, comme pour souligner une intention de faire coexister l'ancien et le nouveau, le levant et le couchant, de puiser dans le primitif pour revigorer l'art, préoccupation au centre du futurisme et de l'expressionnisme. Le titre de la revue, Young Yiddish, est un programme en soi. Il résonne du nom, du nom que ces jeunes écrivains de New York s'étaient choisis en 1907, dit Junge, ouvrant la voie à la modernité yiddish. Mais surtout, il semble répondre à la question posée en 1910 par Yitzhak Leibush Peretz, Vous biste, jung yiddisher dichter. Où es-tu, jeune poète yiddish? Et comme dans toute bonne revue d'avant-garde, le programme est annoncé dans un manifeste. À Lied, vous six à Lied, gemit, uns flit, a stur micher teue voie, a neuf breusung von alle begriffen is unser itzt. In dem aufgeschäumten Cholel von allen Leidenschaften und Leiden. Schwer ist die neu aufgeflatterte Welt nicht schon mehr aufzuschätzen. Und unmöglich ist, besser führen dem Kampf vulkanische Passierungen zu hören, die allmächtige neue Breche Stilligkeit und Ewigkeit. Das Triviale, das Pseulistische verbottelt in dem Wirrwarr von unser Itzt. Sehr geurel ist, verschlungen zu werden von der Vergessenheit. Und mir die Breischestike, mir gehen auf der Wach und peugen uns dem Sturm von Havoye. Mit uns ist Gott der Gott von Heiligkeit, Schönheit und groß Nemes. Helft uns wecken ne Schommes von Hinnerplätz zu dem lichtigen Tag, zum Tag von Trelles und Purpur. Vor der Kunst, vor dem jugendschönen Jiddisch und vor der ewigen Sprache von Nevi'im. Ohne Schönheit kann die Welt nicht gemalt sein. Huppa! Ein Poem? Qu'est-ce qu'un poème ?
un penchant de l'âme et il s'envole. Chaos violent, bouillonnement des idées, dans l'espace en proie à toutes les passions et toutes les souffrances. Difficile d'apprécier l'âme du monde lorsqu'elle est si papillonnante. Impossible d'entendre le tout-puissant nouveau silence des commencements et d'éternité. Le vulgaire, les déchets sont dans le tourbillon de notre présent. Leur destin est de périr englouti par l'oubli. Et nous, les primordiaux, toujours en éveil, sommes la caisse de résonance des tourments de l'être. Dieu est avec nous, Dieu d'éternité, de beauté et de grande vérité. Il nous aide à réveiller les âmes de leur somnolence vers la lumière d'un jour de bleu et de pourpre. Pour l'art, pour ce jeune et beau yiddish, et pour la langue éternelle des prophètes. Sans la beauté, le monde est inimaginable. Dans une annonce publiée dans le numéro 2-3, sans nommer Yitzhak Leibush Peretz, Young Yiddish semble bel et bien fidèle à son projet de renouveler la littérature juive en puisant dans les trésors de la tradition. Alle neue Strebungen und Proven zu bescheinen und verschönern die jüdische Äußeres von unser eigenartig ewig Volk wollen mit mir mit unser ganzer Leibes und junger Herzigkeit aufnehmen. Komm zu uns und mit uns wandernde Jugend. Unsere Wege führen zu der Sonne. Nous accueillerons avec le plus grand enthousiasme et de toute notre cordialité juvénile tous les efforts pour mettre en valeur et magnifier le précieux héritage dont notre peuple unique et éternel est le dépositaire. Viens à nous, jeunesse audacieuse! Notre marche mène au soleil! La revue Young Yiddish, comme une grande partie des revues modernistes, connaît une existence éphémère. Ces trois livraisons couvrent à peine l'année 1919. Le dernier numéro annonce que des contacts sont pris avec les groupes d'écrivains et d'artistes polonais Zdrój en vue d'une exposition commune. Comme Zdrój, Young Yiddish est préoccupé par l'idée d'affirmer le pouvoir créateur de sa langue comme support de l'avant-garde. Mais que peuvent y comprendre les masses juives? Dans son second manifeste, Moïse Broderson évoque la question. Teinen einke, a viele revolutionärisch gestimmte, die was willen sein ernst, als mir seinen zufrieden kommen, abschiede schon von unser Heifel Jiddischkeit, was vermogt noch les gamre keine Kultur nicht. Certains, pourtant ouverts à une approche révolutionnaire, des gens sérieux, soutiennent que nous sommes venus trop tôt, tout au moins pour notre petite juiverie qui n'a encore aucune culture. Et de rajouter... Wie Steiger, man wollt gesucht, als die Herdkeit und der Emes seinen nicht mehr so gut zu kommen auf der Welt, machmes sis nor zufri. C'est comme si l'on disait que l'authenticité et la vérité ne sont pas à même de se manifester parce qu'il est encore trop tôt. Alors, quand Broderson écrit le poème Ich à Purim Spieler, moi acteur de Purim, paru dans le premier numéro de Young Yiddish où il évoque ce personnage du théâtre juif traditionnel dans une langue si nouvelle, est-il à même d'être compris du plus grand nombre? Im Spieler Heinz und ich Spaß von meinen Freund und Feind und von die keiler dicke Maskelechers flieht jetzt mein lache dicke Blick heraus. Ach, über jeden Palatz, jeden kleinen Haus und flattert auf und fliegelt herer, ach, über jenen Teich und Techer und fliegt mit derner jede Haus und kitzelt bei die Seiten jeden Träum verschwächer.
und gib dem Sotten jein Nesser Brandtafelnbecher. Hey, alte Scheute, mit die Augen reute, trink und sing, haben sie in Dreb und haben auf den Feld. In fremdäglicher Kling, als aufstehen sollen alle Teute, und lach, haben sie in der Dicke, trugen Beiner dicke Lach. Die Frumme Deutschim, die Huschim, Huschim losgemacht. Und mach die Krumm Hawaiilich, die Hintisch Heimdelechassach. Und schrei nicht, als die Welt ist flach. Und neu du sehst nicht anders, nimm die Augen und vermach. Und tra Es ist doch Schulem wie Schalwe auf der Welt. Es hält schön auf. A Frühlingssohn an neue Quelle und Menschen kuschen sich in Land in Freien und Völker seinen ungetan im Geist in Neuem und aufgebeut ist euch Jerusalem. Hey, Esteru, mein Schwesteru, dir kommt ein Meiler Kusch, a Kleinigkeit. Von heute bis Kusch, der greift ein Zäuber voller herrschende Medide. Und du allein bist Malkes dick und schön. Noch ausgetrachtet wascht die es, als du bist ein Grine. So wascht die ausgetracht in Kinezorn, die wascht die auf den Stern mit dem Herrn. Nicht wahr? Es hat mein Nester und der Penimel erklären. Asimen? Wett. Der kluger Meile, die bechert sie halt und spielt sich mit der Hut von Gold und geht ihr Hock in Hand. A halbe Lamm. Und Homen? Homen euch, der Durchgetriebener, der alte Homen. Hat umgebitten, itz dein klingen dicken Nomen. Verkürzt, verzeugen ihm auf Homo. Und eingeknetscht, verredeln die Neschomo. Er ist der Einzige, der Dreier auf der Wach, was Kerl sein Misinikel weiß aussen. Und tra-ta-ta-ta-ta! Wer sagt, es ist ein Zinder auf der Welt mit Chomes? Ha, liegen, keiner hat nicht genossen. Und siehst du nicht noch Blut vergossen? Und es fließen Tränen über alle Mossen. Sie ist frei gelebt, sie ist im Chevesossen. Und hört jetzt, herrscht die Neut und Hunger. Und hört jetzt, wilde Wettersturm von Jesurim. Oh, heint ist Purim und heint bin ich ein junger Junge. Und es schmeicheln Tränen auf die unmittige Augen. Und ich rede das euch modern und verzeugen. Und edelartig zu dem Ehrenbrauch geworden. Es war halt die Maske von dem Licht, mein blass und neues gepeinigt junges Gesicht, von Blicken lästerdicke umgericht. Und wer es sieht, wer kennt in mir Piero? Was hat er mit der zufälligen Reihe schon? Und ihr geht herum, ihr spaziert herum, in weißem, breiten Kittel. Und ich suche ein Mittel, ein lustigen, ein simchesigen Mittel, zu euch spotten von Feind und Freien, weil ich bin nicht mehr als dann beginnen die Getränke. Aber eine Rio. Ein Turmspieler Hand! Et dans Jung Yiddish, Brodersohn publie son poème Zu die Sterne, aux étoiles. Mir, Jungen, mir, a freiliche, zesungene Chaliastre, mir gehen in einen unbewussten Weg, in dicke, morre, scheure, dicke Teg,
inert von Schreck, per aspera ad astra. Uns werden Stern trären, und trären werden Stern, und Täube häuben nun zu Herren, und Täuben häuben nun Begehren, und all das Guts mit Kuhen werden. Sie ist schwer, der Weg, wo es führt zu den Sternen? He, weniger ein bisschen klären, was ist beschert, wird uns bewähren. Die Freude sich fruchtbaren und mehren, und Herren wollen Himmeln gern, und begdusche Freiheit schweren, haha, derweile tanzen Bären, per aspera ad astra. Wir gehen, gehen wir in unbewusstem Weg, in dicke, morre, scheure, dicke Teig, in Nacht von Schreck. Wir gehen, wir, affreiliche, zesungene Chaliastre. Aux étoiles, nous les jeunes, nous, une bande joyeuse et chantante, nous allons par des routes inconnues, en des jours profonds de mélancolie et des nuits d'effroi. Per aspera ad astra. Et les étoiles se font larmes, et les larmes étoiles, et les sourds se mettent à entendre, les colombes à désirer, et les bonnes choses à advenir. Âpre est le chemin qui mène aux étoiles, et réfléchissons un peu moins, ce qui doit arriver arrivera. La joie va croître et se multiplier, et les cieux entendront volontiers, et ils jureront fidélité. Pour l'instant, des ours dansent. Per aspera ad astra. Nous allons, oui, nous allons par des routes inconnues et de profonds jours de mélancolie. En des nuits d'effroi, nous allons, nous, une bande joyeuse et chantante. Zu die Sterne est une proclamation collective. Un manifeste, pour ainsi dire. Tant et si bien que quelques années plus tard, il sera inscrit en exergue de la revue Chaliastre, La Bande, de Varsovie, publiée par Peretz Markish, Uri Tzvi Greenberg, Emelechavitch, et qui est sans doute une des revues modernistes yiddish les plus célèbres. Il ne faut pas croire qu'à Lodz, tous les écrivains yiddish sont d'avant-garde. Il en est de plus classiques, comme Yitzhak Katzenelson, déjà reconnu de son temps, est porté au statut d'icône à titre posthume pour avoir écrit, peu de temps avant d'être assassiné à Auschwitz, le sublime chant du peuple juif assassiné, véritable pierre tombale poétique érigée aux Juifs de Pologne. Pourtant, à Lodz, dans les années 1920, Brodersohn et Katzenelson ne s'entinrent pas aux traditionnelles luttes antagonistes entre classiques et modernes. Ils parvinrent à transformer cette rivalité en une concurrence créative, empreinte d'une grande complicité, afin que Lodz, l'industriel, fût reconnu comme lieu de création littéraire, tentant ainsi de faire concurrence à la majestueuse Varsovie. À partir de la fin des années 1910, de l'année 1919, les deux poètes organisent des joutes poétiques au Café Astoria, situé à l'angle des rues Pietrokowska et Tseglana. Chacun des deux est invité à improviser sur un même thème, deux styles, deux conceptions de la poésie se font à leur face. Et en 1920, Yitzhak Katzenelson publie un recueil de chansons pour enfants sous le titre « Gesang und Spiel » sur des musiques originales de Yisroel Gladstein. 17 sont signées par Brodersohn, dont la célèbre « S'y parlait ». Es hat die kleine Zipperle verbissen sich an Lieperle. O Zipperle, was meinst du? An Näperle, was meinst du? Nein, 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 wer sagt es, als ich will? Musik
so die kleinen Zipperle, verknippt ihr Mäul, a Knipperle. O Zipperle, was weinst du? Zwei Äpperle, das meinst du? Nein, 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 wer sagt es, dass ich wein? Sich ihr Käpperle zusammen mit ihr Zäpperle. O Zipperle, was weinst du? Drei Äpperle, das meinst du? Nein, 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 ich will a Kusch nicht Moïse Brodersohn commence à se rendre compte qu'avec ses poèmes et ses revues d'avant-garde, il ne parviendra pas à toucher les masses juives, et comme elle dit, à les réveiller de leur léthargie. C'est alors, peut-être aussi du fait de sa rencontre avec Shaina Miriam, devenue son épouse, danseuse, qu'il se tourne vers le théâtre. En 1922, il écrit « Un do comme Kum zu Hilf hat die größte, echte und wichtige popularisatorische Kraft, was bei Aschum von talentierten Akteuren, Regisseuren und Dekoratoren wird das poetische Wort lebendig. Bewegt sich es, schlägt mit die Flügeln und öffnet für dir Welten, deine Welten, die in dir verborgene Welten von Gefühl und Schönheit, und entlegt für dir die Vorhänge von dem Erhörten MS. Vorstellung, Vorstellungskraft! Là vient à la rescousse la puissance popularisatrice, grande, authentique, déterminante, qui par le concours d'acteurs doués, de metteurs en scène et de décorateurs, donne vie à la parole poétique. Ça bouge, bat des ailes, t'ouvre des horizons, ces horizons mondes de sensations et de beauté qui étaient cachés en toi et soulèvent devant toi les rideaux de la vérité suprême. Représentation, la force de la représentation. Durant les années 1920 et 1921, Brodersohn écrit plusieurs courtes pièces qu'il dénomme « Dramoletten », des « Dramelets ». Ces pièces sont des sortes de poèmes lyriques en rime, en réalité pas très adaptés pour la scène. Dans un geste très avant-gardiste, Brodersohn y mixe des personnages de la tradition juive avec les héros de la commedia dell'arte ou de la tradition chevaleresque. Les personnages vont généralement par couple, homme-femme. La reine de Saba et le roi Salomon, les démons Lilith et Asmodée, Pierrot et Colombine, le poète et sa muse, Dieu et la shrine, la présence, l'inspiration divine. C'est que cet artiste veut substituer poésie et théâtre à la mystique religieuse. Ainsi, les dernières tirades de Schneitanz évoquent la solitude du poète. Le personnage se demande si en enfer, le poète sera reconnu. Et il termine par ces mots. Die Schrine vom Poet. Dem Singers Schrine gefind sich oder in einem Hinterplatz oder hinter der Kurtine. La Schrine du poète, l'inspiration du chanteur, se trouve soit dans la transe, soit derrière le rideau de scène. Dans Achassenke, Épousaille, autre signe d'avant-garde, les instruments de l'orchestre juif traditionnel, dont les intermèdes ponctuaient les pièces de théâtre, sont de véritables personnages de chair et de sang. Comme une sorte de chœur antique, la clarinette, le violon, la trompette, la contrebasse, les cymbales et le tambour commentent l'action. Et Brodersohn utilise des mots dont les sonorités rappellent le son de chaque instrument. La clarinette chante. Viel ich will der Film dem verlangt, Tilim, Tilim, Lili.
Lilien, Blien, Blienstiel, Phyllis, Lilien, Lilis. Le violon grince. Vein, vein, vrovel, dange, vein, zam, zam, zanglos, virzir, zen. Inem gezimu, inem zilberson, sizvum zunen zoymen nagezum. La contrebasse grommelle. Vot der mel ist vos der mel, bull, bull, snenter zit a bull, bein, brentum, brittum, brittum, brittum. Les cymbales teintent. Le tambour, tambourine. Bim bim bum dum tamim tam. Et la trompette, fanfaronne. La recherche de la musicalité, présente dans la poésie de Brodersohn dès ses débuts, trouve un aboutissement dans ce dialogue d'instruments. Elle procure une considérable liberté aux répliques. L'auteur peut incorporer au texte une phrase ou simplement un mot qui se veut son, onomatopée, mais apporte son lot de signification. On peut aussi reconnaître dans le langage des instruments de musique la volonté de l'auteur de créer une langue nouvelle, inspirée du zaoum des futuristes russes, mais s'appuyant sur les richesses propres du yiddish, des rapports qu'entretiennent au sein de la langue les différents registres germaniques, hébraïques et slaves. Cabaret et théâtre de marionnettes sont deux formes qu'affectionne particulièrement la modernité. Le cabaret apparaît en France en 1881 avec la création à Montmartre du Chat Noir. En Allemagne, Max Reinhardt fonde à Berlin en 1901 le cabaret Bruit et Fumée. Et de 1910 à 1912, le cabaret néo-pathétique cristallise à Berlin l'art des expressionnistes. À Moscou, le plus connu est La Chauve-souris. Il connaît une intense activité durant la Première Guerre mondiale. À Lodz, l'écrivain juif de langue polonaise Julian Tuwim fonde en 1918 le cabaret Le Picador. Arthur Schick, un peintre juif de Lodz qui collaborera à partir de 1922 à des publications de Brodersohn, produit costumes et décors pour ce cabaret. Dans le monde juif, une troupe de cabaret, le Miroir juif, attire un public nombreux à Paris en janvier 1926. Accueilli par le théâtre Femina au 90 avenue des Champs-Élysées, le Miroir juif propose un programme varié mêlant scénette, sketch, air d'opérette, danse, chansons populaires juives en hébreu, en yiddish ou en traduction française. Des formes élaborées dans les théâtres d'art adaptées à des scènes de petite taille et à un public restreint trouvent dans le cabaret le lieu idéal de leur épanouissement. Souvent, rien ne sépare la scène du public. Ce dernier est un des acteurs de la représentation, le quatrième créateur. Le théâtre de marionnettes permet, dans cette époque qui se soucie de la fusion des différents arts, de faire participer à une même création écrivains, metteurs en scène et plasticiens, le peintre, le sculpteur, en donnant leur forme aux personnages, sont perçus comme des intervenants de premier plan de la création théâtrale et sont non plus seulement comme les accessoiristes du décor et des costumes. Mais en milieu juif, la tâche est rude. Dans une lettre du 6 octobre 1921, Brodersohn demande à Melchavitch, alors installé à Vienne, de la documentation sur le théâtre de marionnettes. Il déclare par ailleurs:
Jiddisch Theater gefinden sich in einer anderen Lage wie das Theater bei anderen Völkern. Sie haben eigene Länder. Sie ihre Meluches geben Subsidien, halten neues Theater, halten neues Kunstschules. Wir haben gar nicht, auch aus guten Willen und talentierte Menschen. Wir müssen alles schaffen allein, weil keiner sorgt nicht wegen uns. Junge jüdische Talenten dürfen gedenken im Ein Amili Mili. Le théâtre yiddish se trouve dans une situation différente de celle du théâtre chez d'autres peuples. Ils ont leur propre pays, leurs États accordent des subventions, entretiennent des théâtres, des conservatoires dramatiques. Nous n'avons rien si ce n'est notre bonne volonté et des personnes de talent. Nous devons tout créer par nous-mêmes parce que personne ne se préoccupe de nous. Les jeunes talents juifs doivent se rappeler une chose. Si je ne fais rien pour moi, qui le fera? En 1922, Brodersohn fonde le premier théâtre de marionnettes yiddish de Pologne, Chatgadie. À notre connaissance, il ne reste pas de traces des textes écrits pour Chatgadie. D'après les encarts publiés dans la presse pour annoncer les représentations, il était davantage question de sketchs de chansonniers que d'un théâtre d'art. Une partie des textes sont écrits par Brodersohn, les marionnettes sont l'œuvre de Yitzhak Breuner et la musique est due à Henner Kohn. Durant les représentations, Henner Kohn et Shaina Miriam Brodersohn sont au piano. La première de Chatgadie a lieu à l'Union des écrivains et journalistes juifs de Varsovie, au 13 de la rue Tlomatske, le 16 mai 1922. Elle fera l'objet de critiques acerbes du grand arbitre des élégances littéraires Hillel Zeitlin dans la presse du lendemain. Profitant de l'occasion pour réaffirmer son opposition farouche à l'esthétique d'avant-garde du groupe Young Yiddish, en l'occurrence de Chaliastre, il écrit « Sans le moindre rapport avec la poésie, ils se sont mis à faire dans le théâtre de Pourim de bas étage, l'insulte, la caricature. Et ces jeunes gens grimpent à présent dans les hauteurs et donnent un nom à leur vulgaire théâtre de rue, humour. » Le critique du Volkszeitung, le grand journal bundiste de Varsovie, socialiste, rend hommage au travail de Yitzhak Breuner dans la confection des marionnettes. Pour ce qui est des textes des représentations, il se contente de rappeler le talent qu'exige l'écriture pour un théâtre de marionnettes, faisant ainsi entendre qu'il est resté sur sa faim. Celui qui écrit le texte a une tâche difficile. Il n'est pas question de se contenter de quelques plaisanteries et de quelques grimaces. Le texte doit avant tout pétiller d'humour. On doit entendre le rire retentissant à propos de nos comportements gris et le ton mordant à propos de nos faiblesses et de nos mesquineries. Durant l'année 1922, Chatgadie se produit en tournée dans plusieurs villes de Pologne, dont Białystok et Vilno. Les représentations de Chatgadie ont lieu en général dans une petite salle avec un public intime. Mais la représentation à Lodz a montré que dans une grande salle où l'intimité manque, Chatgadie peut également recueillir des applaudissements à tout rompre. Les annonces dans la presse s'accompagnent d'un slogan. In Chatgadie weilt man sich. À Chatgadie, on se distrait. In Chatgadie katschet man sich. À Chatgadie, on se tord. In Chatgadie machen a Regel eire Bekannte. A Chatgadie, les têtes connues dansent la ronde. In Chatgadie zindert man klal tuer. A Chatgadie, on fustige les responsables communautaires. In Chatgadie häuset man von Futuristen. A Chatgadie, on se moque des futuristes. En 1924, Moïse Brodersohn participe à la production du premier opéra yiddish joué à Varsovie, Bacheve, Betsabe, en tant que librettiste. Le texte de l'opéra s'inspire des chapitres 11 et 12 du deuxième livre de Samuel. Le roi David s'éprend de Bethsabée, conçoit un enfant avec elle, puis fait tuer son époux, Ouri, afin de pouvoir entièrement posséder Bethsabée. Mais Dieu punit David pour sa conduite et fait mourir l'enfant. David se repent et un autre enfant naît au couple,
Salomon, futur roi et auteur du Cantique des Cantiques. Malgré un budget réduit, assemblé grâce à des mécènes de loge, le projet réunit des collaborateurs de qualité. La mise en scène est assurée par le célèbre David Herman. La musique est due à Henner Kohn, avec lequel Brother Zone a travaillé dans le cadre de Hat Gadier. Le décorateur, Vladislas Weintraub, a réalisé des décors pour plusieurs productions prestigieuses de la ville Nachtruppe. Et les costumes sont créés par Schwartz. Les principaux chanteurs auxquels les auteurs dédient le manuscrit de l'opéra sont Ruth Leviatch et Moïse Rudinov, des stars de l'opéra. La première a lieu le 15 avril 1924 au Kaminski Theater. Il y aura en tout 5 représentations. Cet été, avec de nouveaux arrangements dus à Joshua Horowitz, avec la participation de Diana Matout et Michael Werks, l'opéra a été joué en version concertante dans le cadre du Festival de culture yiddish de Weimar. Lior Toledano, ici présent, faisait partie du chœur du Triangle Orchestra formé pour l'occasion. Mais pour cette toute première parisienne, j'ai demandé à 8 de mes camarades du chœur Mélomène de la rejoindre. Ils ont accepté de relever le défi au pied levé. Yarno et Luc pour les ténors, Jérôme et Martin pour les barytons, Jean-Christophe, Franck, Dominique et Yann pour les basses. Voilà, 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 vo
toute cette petite troupe était menée par Martin. Semble avoir pris la mesure des critiques qui lui ont été faites concernant ses dramolettes. Il déclare: Euch meine weiterliche Arbeit wird bestehen in Schreiben Dramas, heroische Dramas, nicht kein literarische, nur theatralische, nicht für den Büchermarkt, nur für der Bühne. Ich will sich widmen dem jüdischen Theater. Meine Meinung ist, als noch Gold verdienen, haben wir bichlal nicht gehabt kein jüdischen Theater. Mon activité future consistera également à écrire des pièces de théâtre, des pièces épiques, non pas littéraires, mais théâtrales, non pour l'édition, mais pour la scène. Je veux me consacrer au théâtre yiddish. À mon avis, depuis Goldfaden, nous n'avons pas eu de théâtre yiddish. Et c'est à partir de cette période que Brodersohn entre vraiment en scène. Arain, 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 du Moïchele, du Maï. Azazel, le premier café-théâtre yiddish de Pologne, voit le jour à Varsovie. L'établissement se veut à la fois cabaret, café-théâtre et théâtre d'art, à l'image de ses cabarets moscovites d'avant la Révolution. Il ouvre ses portes au fond du passage Simon qui donne au numéro 50 de la rue de Louga, en plein cœur des Narlevkes, le quartier juif populaire, dans un local commercial qui servait précédemment d'école pour chauffeurs-livreurs. On joue deux fois dans la soirée, à 9h30 et 21h30. Brodersohn y participe en écrivant des sketchs et des textes de chansons, dont Klingen Glecker. Klingen Glecker, Klingen Glocken, Bim und Bom. Sing der Seide, sing der Schatten, Bim und Bom. Singen Schramm, Fram, Fram, Flim und Flam. Sing die Bobbe, scheine Dobbe, Gott von Avram. A gut Woppe wird der Ganze, a gut Woppe. Tate, gib auf dolle Wein, a bissl noch. Mamen, morgen wieder sagen, in der Traum. Klingen Glöcke, klingen Glocken, Bim und Bom. Klingen Glöcke, klingen Glocken, Bim und Bom. Azazel, pour les novices, vous saurez que le bouc émissaire, en hébreu, se nomme le bouc qu'on envoie à Azazel. Donc c'est pour ça qu'il y a un bouc sur le logo. Azazel est effectivement le premier café-théâtre yiddish de Pologne.
Mais dès 1924, Brodersohn s'investit à Lodz dans la création d'un studio théâtral, véritable école de théâtre. En 1925, le studio donne des représentations qui n'ont pas au départ de caractère professionnel. La mise en scène intègre les techniques les plus modernes, avec lesquelles Brodersohn a pu se familiariser à Moscou, et son collègue Isidore Lévy auprès de Max Reinhardt à Berlin. L'évolution des acteurs sur la scène, l'utilisation de la danse, de la musique, le jeu des couleurs, la prolifération des scènes collectives conçues comme de véritables compositions, renouvelle le genre. L'expérience du studio théâtral aboutit à la création du café-théâtre Ararat, Revolutionierter Artistischer Revue-Theater, café-théâtre artistique révolutionné. Ararat avait un hymne dont l'air s'est perdu. Alors Talila, Teddy, oui, allez-vous pouvoir nous retrouver un air? Ça va être assez difficile. Oh, on va y arriver. Ça peut être ça. Ça commence un peu comme ça. On a cherché, vous savez. Schwarzen Schimmer. On est en train de composer là. Vergeht der Welt in schwarzen Schimmer. Zum Abend an Eck. Es lebt noch der junge Schimmer. Talila et Teddy depuis bientôt 30 ans, n'est-ce pas du Talila Teddy Lasserie pur jus? Ainsi, pour évoquer la Révolution, tentant à nouveau de trouver dans les textes traditionnels juifs des images propres à décrire le monde moderne, Brodersohn utilise une image biblique, le mont Ararat, la montagne sur laquelle s'est échouée l'arche de Noé après le déluge, symbole de renaissance après la fin du monde. Et Brodersohn insiste sur le contenu juif de Ararat. Mein Zweck ist zu schaffen a dichterische Tribune für ein jiddischen Wort, für das jiddische in Farbe und Klang. Der Ararat soll sein jiddisch Theater nicht nur Leute der Sprache, das heißt nicht kein transplantierte Ruche Levatolle, nur a jiddische Biene, Leut ihr geistiger Nehus, leut ihr Form und Inhalt. Mon objectif est de créer une tribune poétique pour le Yiddish, pour ce qui est juif en couleur et en son. Je veux que Ararat soit juif non seulement du fait de la langue, c'est-à-dire qu'il ne soit pas une bénédiction en l'air, transplantée, mais une scène juive dans son essence, dans sa forme et dans son contenu. Les programmes d'Ararat sont constitués d'adaptations de classiques du théâtre et de la littérature yiddish, présentées sous une forme nouvelle. Des œuvres contemporaines et une satire de la vie sociale de Lodz, sketchs souvent écrits par Brodersohn et parfois de danse exécutées par Shaina Miriam, son épouse. Les programmes se succèdent à un rythme effréné. Leurs titres sont tous plus fantaisistes les uns que les autres. Guten Morgen, Cosette. Bonjour la chèvre. Salam aleikum. Latkes. Amoid atzimes. La mom popuri. Shakedik ou nknakedik. Patetir patata. Nissim mit ashmaim. Miracle céleste.
Lekov dem heiligen Bim Bam. En l'honneur de Saint Boum Boum. En 8 ans, Ararat présentera une cinquantaine de programmes différents. La troupe s'installe parfois à Varsovie pour quelques semaines. C'est notamment le cas en 1934 avec un programme intitulé Agdule of der Bobbe, la belle affaire, qui comprend de nombreux textes de Broderson, dont Die Kuhkacke, le coucou. Tic-tac, 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 tactique, is the mountain Zeiger's tactique. Tic-ter, tac-ter, tic-tac, tactique, gaiter, gaiter, hotter, pratique, auf dem Zifferblatt spazieren, still devices, kaum sirin. Tic-tac, tic-tac, seit probieren, sanft auf hohem Schmues führen. Tic-tac, 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 taktik, sie das Spiel mit Jassenaktik. Tic-ter, taktes, tic-tac, taktik, heute träumt sie in a Wicktakt. Tic-tac, taktik, ist sein Steiger, und es weist schon zwölf Säge. Da und bei Nacht im Dunkeldafke kommt raus bei die Kuhkafke, kommt raus bei die Kuhkafke, wo sind Kuhkuh, ist sie Bocke. Unas spielt auf das Musiku, tief in Säger und du Stiku. Alors tu prends l'octave du O. Und als abgespielte Nigen hält sich um das alte Kriegen zwischen und die alte Beide. Zwischen Bobbe, zwischen Seide. Wieder zerreweste Zlatte auf der Sock, an eine Latte. Nimm doch una Schreck an Eime. Sie ist dein Schkarpetke beheim. Aber daheim ist aus den Sinnen. Kannst kein Besseres nicht gefinnen. Nein, es gefällt mir nicht dein Miene. Was schon wieder keine Schiene. Keine Schmiene, gelle Grine. Sie ist mir nicht kein Nafke Miene. Als dieselbe meiße Herre. Schweig schon, schweig, du alter Terech. Terech, Schmerech, Trachter, Klärech. Oi, wie deiner Butter wäre. Sie ist mir bitter als eine Kuhne. Oi, wie wär ich an Almorne. Tick-tack, taktik, tick-tack, taktik. Geht also die Lebenspraktik. Damit kriegt sie ihr Bobbe Seide. Hat schon beide in Gedeiden. Es trefft einmal ein neues Tantake. Tick-tack, taktik, tick-tack, taktik. Der Schmues spielt Musik und nice a Stick, as a Nicken an Antico. A Nicken maintenant? A Nicken joyeux. Je sais. Coucou, 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 coucou. Es kommt mir auf den Sinnen. Was, le Moschel, was a Steiger? Du a Kuck auf den Säger. Dacht sie zwölf Scheun mit Minuten. Und sag dein Schkarpetke a guten. Sie ist a Hochmann, ich kein Kluge.
frisch, gesund und stammeschuge. Ich mein, sich zu lernen ein bisschen. Sehen aus Hasir koscher Fiesel. Es ist schon eins, es ist bald zwei schon. Bala Weirenik, ich weiß schon. Tick-tack, 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 taktik. Und Leut der alter Praktik. Soll Efscher sich vor dir neigen? Gut schön, schrei nicht, geh sich leiden. Und hot Schlang, hot Schlang mich oben, sei dem Seiden, sei der Boden. Dort auf jener Welt sei beiden, in dem lichtigen Ganeiden, willen sei in Punkt gewissen, eulem Asegis genießen vor em Tick-Tack, vor em Taktik, von ewig as a Taktik. Tick-Tack, Taktik, Tick-Tack, Taktik, as a Steige, Säge, Praktik. Organise une tournée en Europe occidentale qui le mène notamment à Paris, où il se produit en mai à la salle de la Mutualité. Les activités de Ararat se poursuivent ainsi jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, de représentation à Lodz, en tournée à Varsovie, Vilno et dans d'autres villes de Pologne. Ararat doit son succès à la fraîcheur, à la qualité des programmes et incontestablement à la capacité de renouvellement de Broderzone, qui écrit la majorité des sketchs, sélectionne les autres et continue de produire des chansons. Ce qui a pu surprendre les premiers spectateurs fera le succès ultérieur du théâtre. À ce propos, Nudelmann, un des membres de la troupe, explique. Le public attendait une représentation avec une intrigue, un contenu qu'il aurait pu ensuite raconter, mais les numéros écrits par Broderzone, qui constituaient les morceaux de choix du répertoire de Ararat, étaient loin du genre intrigue et contenu. Broderzone était le maître du jeu de mots, du calembour et de la rime. Pour une rime, il était parfois capable de bâtir un sketch pour toute la troupe. Aucun dialoguiste de café-théâtre n'avait cette capacité de Broderzone de ne rien dire de manière aussi artistique. Et aucun, sans doute, n'est parvenu à repérer des comiques au talent aussi extraordinaire que Shimon Jigan et Israël Schumacher, qui feront les riches heures d'Ararat et poursuivront leur carrière après-guerre en Israël, sur toutes les scènes du monde et par la magie du phonogramme, feront leur entrée dans les familles yiddishophones des cinq continents. De sorte qu'à partir de cette époque, le monde se partage en deux catégories. Ceux qui se tordent de rire en écoutant les sketchs de Jigan et Schumacher, et les autres, qui ne comprennent pas. Nous allons écouter à présent un enregistrement qui date de 1937 et qui s'appelle In Schwitzbad, au bain de vapeur. Ah, Es zu beigehen. Was kriegst du, wie? Oh, ich trage daran, wie nimmt man es in Ursprung? Geht mir an, Neid.
schafft der Arbeitskotter ein USA. Dort mir, 50 Worte. Bitte verzugnehmen, dass der Hubenarbeit zwei USA. Auf Wurstdecke dich, so wie ich auch von, was denn ein Chef? Erwarten! So geht mir bei Hafengeschäft ab, was kennt ihr? Kein Nachgeben heißt es, aber ich, mir geht mir ein Meister, das ist doch wie ein Jahrefuß, ne? Ja, verbiet, sei du heran, der Mecklen. Seit dem Feuer, da hat's mit dahin, das ist mir Jude, siehst du ihm um, das ist dein Bruder. Sie gekommen aus den Jungen. Ist er gemalt, ist er Mannbride? Ist er nicht gemalt, ist er Dammbride? Frau, mach mich geschaffen! Mach mich die gesamte Tabak und mit Geld! Oh, Schade! Da, wie es mir geht, hast du letzte Sprache geknackt. Große Rette! Wenn ich so nicht schaffen habe, fliegt bei mir in Kessel, wollte ich eine ganze Gewinn auf der Pfanne. Ne, was ist denn für sonst gestoßen? Das war hier das Heiße, das mit du auch weggekommen wirst. Nun, was ist gewinnen? Kraft ist vortreten! In der URM, komm mal her! Sie ich will den Boden, gib ein Kick, das so ist du. Dieses Gewinn, wenn es gegangen ist, dann hemmen. Ei, das ist mir nicht der Kaffee. Nicht genieger, Pfarr, mit kein. C'est là qu'intervient la version moderniste du théâtre, le public comme quatrième créateur. Petit sondage, qui a tout compris? Donc, à présent, le monde se partage en deux, mais de manière très inégale. Goeru de Chixal, la part masculine et la part féminine du destin, finissent par rattraper Moïse Broderson, et la fin est celle d'un Pierrot triste, d'un acteur de Purim Spiel que l'on veut faire taire. Auteur de Yud, publié en 1939, un recueil de poèmes dénonçant le nazisme, il apprend quand les nazis occupent Lodz en septembre 1939 qu'il figure sur une liste des personnalités à arrêter en priorité. Il fuit dans la nuit même et gagne Bialystok, situé dans la partie de la Pologne occupée par l'armée soviétique. Il passe la guerre à Moscou. Natif de la ville, les soviétiques lui refusent le rapatriement en Pologne en 1945. En 1950, il est arrêté et condamné à 10 ans de goulag. Il sera libéré en 1955. En 1956, il revient en Pologne, accompagné de Chaim et Myriam, et forme le projet de gagner Israël. Il déclare alors « Ich kann sich nicht besetzen auf kein Beisorden »« Je ne peux pas m'installer sur un cimetière ». Accueilli avec beaucoup d'émotion par les cercles littéraires et artistiques yiddish formés des survivants du génocide, accablé à la vue de cette Pologne devenue tombeau, affaibli par les années de goulag, il meurt à Varsovie d'une crise cardiaque le 17 août 1956. Pourtant, et voici sa tombe au cimetière de Varsovie, pourtant le parcours de Broderson ne s'arrête pas dans le Genscher Beisorelem de Varsovie. Après que sa tombe a été profanée, au début des années 70, la famille décide de transférer sa sépulture à Tel Aviv. Ainsi, le Brodersinger, le Purim Spieler, le Pierrot Triste aura eu droit à deux cérémonies d'obsèques. L'une à Varsovie, l'autre à Tel Aviv, où vinrent lui rendre un dernier hommage son complice de Chania Stray, le poète Uri Tzvi Greenberg, à gauche, et également le comique Shimon Jigan, qui l'avait été le premier à faire monter sur les planches.